Bienvenue pour une nouvelle recette avec Zouzou. Aujourd'hui, je vous propose la recette de mon gâteau au chocolat sans farine et sans sucre. Oui, je vous assure, c'est un vrai régal. Essayez-le et vous verrez. Allez, je vous montre la liste des ingrédients. Pour mon gâteau au chocolat, il vous faudra 150 g de chocolat noir pâtissier, 3 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs, 250 g de mascarpone, une pincée de sel et 60 g de maïzena. C'est de la fécule de maïs. Allez, c'est parti pour les étapes de la recette. Vous allez voir, mon gâteau est hyper moelleux et très gourmand. Pour commencer, on va faire fondre notre chocolat au bain-marie. Pour cela, mettre le chocolat pâtissier dans un bol. Dans une casserole, faire chauffer de l'eau. Lorsqu'elle est chaude, mettre dedans le bol contenant le chocolat et laisser fondre comme ça au bain-marie. Dans un bol, mettre la mascarpone. Ajouter les jaunes d'œufs. Et mélangez le tout. Voilà, la mascarpone et les jaunes d'œufs sont bien mélangés. Maintenant, on va ajouter la fécule de maïs tamisée. Voilà, ma pâte est bien lisse.
Bon, maintenant, je vais aller voir mon chocolat. Voilà, mon chocolat est fondu. Je le sors du feu et je le laisse refroidir. Il est bien liquide. En attendant que mon chocolat refroidisse, je vais monter mes blancs en neige. Dans un bol, verser les blancs. Ajoutez une pincée de sel. Jusqu'à obtenir des blancs en neige bien fermes. Pensez à préchauffer votre four à 160 degrés en chaleur tournante. Il faut fouetter les œufs à forte vitesse. Voilà, mes blancs sont bien fermes. Ajoutez le chocolat refroidi à la préparation à la mascarpone. Et mélangez à nouveau. Voilà, le chocolat est bien mélangé à la pâte. Maintenant, je vais incorporer mes blancs en neige. On va les ajouter petit à petit et les incorporer doucement pour ne pas les casser. Ma pâte est prête. Maintenant, je vais la verser dans un moule. Moi, j'utilise un moule en silicone. Si ce n'est pas votre cas, pensez à beurrer et à fariner votre moule. Pour un moule en silicone, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai utilisé un moule de 20 cm de diamètre. On va maintenant
enfourner pendant 45 minutes à 160 degrés. Au bout de 25 minutes de cuisson, pensez à couvrir le moule pour éviter que le gâteau ne brûle. Voilà, mon gâteau est prêt. Il se démoule très facilement. Il ne me reste plus qu'à me régaler. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas que nos recettes sont aussi sur Instagram. À bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous de Zouzou.